sixième défi Terre Essence. L'idée de cette journée, c'est vraiment la fête de fin d'année. C'est une journée de partage. C'est un peu le symbole d'une saison de travail pour ces jeunes. Alors le principe du défi Terre Essence, c'est vraiment en gros réunir des anciens champions avec tout le groupe Relève, les jeunes que Terre Essence parraine. L'idée, c'est vraiment de mêler toutes les générations, qui est cet échange entre les futurs champions, les champions de demain et puis les anciens. C'est toujours plaisant d'être en équipe comme ça et de retrouver tout le monde, tous ses potes du ski, partager des moments avec des champions, des anciens champions, donc voilà, c'est vraiment top. Prendre l'avance là pour avancer. Ok, c'est bon. Parfait, c'est bon, on va les démonter. Ouais. C'est bon, on est prêts. Cette année, je remets la pression à Panama parce qu'on va défendre nos titres et eux, ils n'ont aucune chance derrière. Je repensais hier, en venant ici, qu'il y a 6 ans, le premier défi Terre Essence aux Arcs, on était 30 personnes. Aujourd'hui, on attend 250 personnes où tous les champions, les anciens champions jouent vraiment le jeu. Ils sont pas tous là chaque année, mais par contre, ils arrivent tous à se passer le flambeau entre eux en disant bah, « allez, c'est à ton tour, vas-y ». Et puis les jeunes sont toujours là et toujours motivés, donc c'est une belle journée. C'est une journée, alors pas de souffrance, le mot est un peu fort, mais en tout cas c'est une journée intense sportive parce que ce matin ils se sont vraiment donnés, c'était pas une balade. Et j'en discutais par exemple avec Ophélie ou avec Bastoun. Et ils me disaient bah, ce qui est bien c'est qu'on est allé un peu dans le dur. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a vraiment aussi échangé, qu'il s'est créé un lien. Pour créer des liens, parce que c'est pas évident, juste en discutant et on se croise pas souvent, y a rien de tel que faire des activités ensemble, de souffrir un peu ensemble, parce qu'on souffre un petit peu, on essaye de les suivre, on fait des binômes et c'est comme ça qu'on crée des liens et qu'après des échanges se font. Le plus dur, le vieux corps de Rancho. Le plus dur, c'est le truc où il faut réfléchir. Ouais, voilà, on n'est pas fait pour ça, nous. C'est un vrai triathlon, tu vois. Transpirer, viser, réfléchir. Parfait. Je pense que c'est très riche pour les jeunes. Je pense que c'est aussi riche pour les champions parce que ça leur permet de parrainer des jeunes. Ils ont été à un moment eux aussi jeunes. Mais pour les jeunes, c'est très très intéressant parce qu'il y a la discussion on va dire, à bâton rompu, de les voir, de les toucher, de faire du sport avec eux. Donc ça, c'est très important et très, très riche, quoi. Ils essayent vraiment de s'impliquer dans la formation des jeunes et de créer une énergie avec un échange avec les anciens qui essayent de fédérer. Donc je trouve ça intéressant et que c'est un petit peu inédit. C'est un chouette cadeau que nous fait Terre Essence parce qu'en fait, de pouvoir transmettre, de pouvoir partager, en fait, ça donne de la profondeur aussi à notre carrière, à ce qu'on a pu faire. Que ça puisse servir les futurs champions, c'est... Ouais, franchement, c'est un cadeau de pouvoir transmettre. Bien. Merci à toi et à toute ton équipe pour ce que tu fais. Merci beaucoup. Écoutez, c'est une manière très très originale d'avoir un soutien d'un partenaire qui aide le ski français, qui aide les jeunes du ski français et qui le matérialise avec un défi sportif
qui regroupe des jeunes, nos jeunes champions, nos futurs champions et d'anciens champions, une espèce de parrainage. Donc c'est, je trouve, une idée très très originale et surtout très, très forte en clair dans le message qui est passé. Alors à la fin, bien sûr, il y a un soutien, il y a un chèque, il y a un nombre assez important d'argent qui vient aider ces jeunes, mais il y a aussi toute une atmosphère, une ambiance et un partage. Et voilà, je trouve ça vraiment original et très efficace.